Mesdames et messieurs, bonsoir. Très bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens, particulièrement ceux qui nous suivent depuis l'Europe et la sous-région. Pour ce nouveau numéro de votre émission, nous déroulons le tapis rouge à une icône de la télévision ivoirienne qui, pour la première fois, nous racontera sa vie en long, en large, tout ce qu'il n'a jamais dit, sa réussite, ses moments de gloire, ses difficultés. Georges Taï Benson dans Leitmotiv, c'est pas plus tard que maintenant. Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Georges Taï Benson, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci de nous accorder cette interview exclusive. Oh, merci à vous de m'inviter et de me dérouler le tapis rouge. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Alors, au moment où nous tournons cette émission, je rappelle que nous sommes en juillet 2015, donc 50 ans après vos premiers pas à la télévision ivoirienne. Exactement. Il aura fallu tout ce temps pour que vous puissiez nous raconter toute votre histoire pour la première fois. Il y a une raison à cela, mais on en parlera plus tard. D'accord. Alors, pour faire plus simple, je te propose qu'on se tutoie. Les téléspectateurs comprendront pourquoi plus tard. Non, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous raconter, mesdames et messieurs. Nous sommes en 1968. Je suis dans l'équipe d'un chef qui s'appelle Ivan Baginov. Un mélange de bété et de russe. Ça donne une stature rustre. Et ce monsieur-là était mon patron. Il m'avait pris vraiment en sympathie, il m'a rapproché de sa famille. Et ce jour-là, je suis dans la cour de la télévision, arrive son épouse au volant de leur véhicule. Je m'approche pour la saluer avec déférence. Et puis elle est au volant, en situation intéressante, vous voyez ce que je veux dire. Et puis elle est haletante. Georges, où est Yvan? Je ne sais pas où il est, mais j'ai dit... « Madame, ils sont en reportage. » Elle dit « Bon, s'il vient, dis-lui que je suis allé à l'hôpital, je m'en vais accoucher. » Je dis « Quoi? Accoucher? Madame, poussez-vous, poussez-vous. » Je n'avais pas le permis. Je la pousse, je prends le volant, je brûle je ne sais pas combien de feux rouges, excusez-moi. Et puis, on arrive à l'hôpital de Trècheville. Les brancardiers arrivent, prennent la dame et... Le bébé a failli sortir là, non. Dans les marches, sur les marches de l'escalier. Quand même pas ce bébé-là, le voici. Voici le bébé, donc on le tue, Mesdames il s'impose. Et messieurs, c'est l'histoire juste de ma naissance. Le tue, il s'impose. Alors allons-y. Alors, tu es né en 1946 à Trècheville, si ouais. Je ne me trompe pas. Ton père était bijoutier ouais. Et ta mère femme au foyer. Oui, on disait ménagère. Mon père... bijoutier indigène, originaire du Ghana. Oui. Nous sommes Nzima Kotoko. Juste à la frontière. À la frontière, vous savez, c'est le colon français et anglais qui a partagé ce peuple vaillant en deux. Une partie anglophone, une partie francophone. Bref, nous sommes Nzima Kotoko. Voilà. D'accord. Et je suis né effectivement le vendredi 25 janvier 1946 à 2h07. À l'hôpital qui est devenu aujourd'hui le commissariat de Trècheville, vers le pont. Oui, oui. D'accord. C'est la maman de Simplice Zinsou qui m'a sorti de ma maman. Ah, d'accord. Et je pesais 5,05 kg. Un gros bébé. Oui, tu as bien entendu. 5,05 kg, ça pèse. Et je n'ai pas cessé toute la vie de ma maman de lui peser sur la vie avec mes problèmes de vedette. Ah ça, elle en a dû voir de toutes les couleurs. Oui, parce qu'il n'y avait pas de césarienne à l'époque, il n'y avait pas de péridurale, il n'y avait pas de sophrologie, ou je ne sais pas comment vous dites. Bon, elle a poussé. Mm-hmm. Elle a poussé. Et... Bon. Elle a été courageuse comme ben, je lui en suis reconnaissant. Je suis resté reconnaissant à ma maman toute sa vie. Et sur les conseils avisés de la maman de mes enfants,
Je lui ai fait une maison avant qu'elle ne meure et ses bénédictions n'ont pas cessé de pleuvoir sur moi. Oh, super. Tu as donc 8 frères et sœurs? Ah non, de ma mère, il y en a eu 12. Hein. Ma mère a fait 12. Beaucoup sont partis. Nous sommes restés 8 et puis beaucoup d'autres sont partis. Aujourd'hui, de ma mère, nous sommes 3. Ah, d'accord. Ma sœur Jeannette, ma sœur Hortense et moi. Mais de mon père, nous sommes une fratrie de 28 à peu près. Aujourd'hui, le premier enfant de mon père, Jean, qui est encore vivant, j'ai ma sœur Marie qui est là. Bon, on n'est pas nombreux. Hein? Une grande famille quand même. Oui, une très grande famille. 28 très grande enfants, famille. C'est... Oui, et j'ai su très tard qui était ma maman véritable. Parce que j'avais quitté la famille un moment. Voilà. D'accord. Mon père avait pris une décision de m'envoyer à Grand Laou pour les études primaires, afin que j'échappe aux tentations d'Abidjan naissante. Oui, la d'accord. ville d'Abidjan commençait à être trop bruyante, trop dangereuse, il y avait trop de tentations. Mm-hmm. Donc, je suis allé à Grand Laou, où la vie était plus calme. Mais donc, raconte-nous ton enfance et tes premiers pas à l'école. Oh là là! D'abord, Corinne, est-ce que tu te rappelles le nom de tes maîtres du CP1 au CM2? Non, pas du tout. Ah ouais. Mais moi, ça date de 52 à 58. Oui. Oui. Au CP1, M. Diambara. Au CP2, Madame Bourgeois. Tout ça à Grand Laou. Oui, à Grand Laou. À Grand Laou. À Grand Laou, CE2. Monsieur Begré Yesso, au CM1, Monsieur Joseph Sénac, et puis au CM2, Monsieur Bonny Nicolas. Tu as une très bonne voilà. mémoire. Voilà. Mais de toute façon, on était moins nombreux en classe. Et puis, bon, voilà. Donc, je fais CP1 au CM2 à Grand Laou. Oui, oui. Entre 1952 et 1958. En juin 58, je passe, je pense brillamment, le CPE. Et l'entrée en sixième qu'on appelait à l'époque bourse. À l'époque, on appelait bourse. Bon. D'accord. Et tu reviens à Abidjan donc pour la sixième? Oui, je reviens à Abidjan, au collège d'orientation, annexe pour la sixième. C'était dans la cour de l'école Satigui Sankyare à Djamé. Et puis, au collège d'orientation principale, au plateau pour la cinquième. Et c'est là où malheureusement, bon, les études s'arrêtent. Tu seras renvoyé pour un incident. Mais raconte-nous un peu cette histoire. Nous sommes à l'époque coloniale et puis notre économe, je crois, Madame Lefebvre, a le malheur de me traiter de négrillon. Une espèce de sale petit négrillon. Bon, puis c'est parti, hein, instinctivement comme ça. Ma main est partie, l'a touchée. Bon. À quel âge? À 11 ans? Oui, 12 ans, 13 ans même. On me dit que je l'ai giflé. Tu avais déjà du répondant. Conseil de discipline, voilà. Et puis, on me renvoie, quoi. On me renvoie. Je n'étais pas un ignare. Mais tu étais quand même un bon élève à part ça. J'étais un bon élève, j'ai les papiers pour le prouver. Et puis, bon, je suis viré de l'école en cinquième. À cette époque-là, je suis viré. Mon père est vexé. J'imagine. Oui, il est vexé parce que mon père est un monsieur très fier. Il est illettré, il veut la revanche sur la vie par ses enfants, oui. Et puis il me vire de la maison. Wow. En fait, il ne me dit pas qu'il me vit, mais il ne veut plus me voir. Ce n'est pas parce qu'il ne m'aimait pas. Parce qu'il était déçu. Il était déçu. La déception était tellement forte. Il était déçu, oui. Et puis voilà, je suis dehors, je vis chez les uns et les autres. J'ai même dormi dans les guichets du stade de Feu-Boigny. Une nuit, je suis allé me coucher dans le guichet du stade de Feu-Boigny. Et le matin, quand je me réveille, il y a un autre homme qui est là. C'était un fou qui avait ses habitudes et qui m'a mis un tissu sur moi. Comme ça pour te couvrir? Oui, oui. Puis le matin, j'ai découvert ça et je ne suis plus reparti là-bas. Pendant un an, tu vis un peu je la vie vote. De je voilà, vis pas, je chez vivote. Des amis, un peu à la belle étoile. Oui, avec Neba. Et ensuite, tu décides de t'inscrire donc au cours d'art dramatique. Au cours d'art dramatique au plateau, l'école de Madame Jagu-Roche et de Madame Diop,
Et là-bas, je rencontre des figures aujourd'hui célèbres que Neba et moi, d'abord, nous nous inscrivions. Et puis, on y trouve Sijiri Bakaba qui venait d'Abangourou, Daniel Clavery qui était Daniel Boni, et d'autres personnes avec qui nous apprenons les rudiments du théâtre français, du théâtre classique. Hein? Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et mon bras que toute l'Espagne admire ne fait rien pour moi, etc. Mais pourquoi avoir fait ce choix et pas un autre? Parce que au collège, le peu que j'ai fait, nous faisions chaque année, chaque fin d'année, théâtre suivi de bal. Mais déjà à Grand Laou, j'animais les fêtes de fin d'année en tant qu'acteur, théâtre, animateur, oui, et tout ça. Bon, disons que j'étais né pour ça, hein, je pense. Tu avais envie comédien, de jouer dans un théâtre? Bon, c'est ce qui se présentait à moi. Mm-hmm. C'est ce qui se présentait à moi. Et j'ai donc fait ça. Et puis, bon, voilà, comme nous faisions le théâtre, on nous apprenait la diction, on nous apprenait l'élocution, etc. Nos instructeurs à l'école de théâtre étaient en même temps des animateurs à Radio Abidjan. C'était des Européens, M. Raymond Magnier, M. Pierre Pouillon et autres. Donc, ils nous envoyaient à la radio pour dire des textes pour les enfants. Pour les enfants, pour les adultes aussi, des textes bien. Et c'est là-bas que nous allons apprendre une nouvelle extraordinaire. On n'en mesurait pas la portée à cette époque. Oui. On nous dit, en 63, le 7 août, il y aura la télévision qui va venir en Côte d'Ivoire. Bon, nous, on ne sait pas ce que c'est. On nous dit, il faudra vous y intéresser. Monsieur Magnier, c'est quoi la télévision? Il dit, bon, on va faire simple, hein. C'est la radio où on voit la personne qui vous parle. Mais voilà comment on nous présente la télévision. C'est, oui, c'est exactement c'est ça. C'est tout à fait ça. Je te propose de revenir sur ton parcours juste après la pub. Waouh! Dis ma chérie, comment tu fais pour être toujours aussi belle? C'est quoi ton secret? C'est la gamme de produits Miss Swan. Bienvenue à l'Institut de beauté Miss Swan. Nos soins corporels et nos produits de beauté exclusivement à base de plantes naturelles vous garantissent un teint, un visage et un corps de rêve. Institut de beauté Miss Swan, la magie de l'esthétique. Avec professionnalisme, qualité, rigueur et forte de ses potentialités et de sa riche expérience dans les opérations immobilières, Opes Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas sociales, économiques et de standing remplissant toutes les commodités vous garantissant un cadre de vie des plus agréables. Siège social, Abidjan Cocody, résidence Canebière, deuxième étage, porte 12, téléphone 22 48 73 53 05 26 26 40. Opes Holding, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. De retour avec notre invité Georges Taïb Benson, à qui nous consacrons une série d'émissions télévisées à l'occasion de ses 50 ans de télévision. Merci pour cette intention, merci beaucoup. Nous sommes le 7 août 1963, l'élève que tu étais améliore son jeu de scène et sa diction au cours d'art dramatique d'Abidjan. Mais ce jour, alors que la télévision émet ses premières images, tu auras une révélation. Raconte-nous tout ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Je dois à la vérité de dire que de l'école d'art dramatique, du cours d'art dramatique, nous sommes parvenu à l'Institut National des Arts, l'INA, oui. Neba, Sigiri, Daniel Clavery, Daniel Boni. Et nous sommes les premiers élèves à rentrer dans cette école. Dans cette école qui venait d'être construite. Donc nous avons essuyé les plâtres. Et puis, on nous dit donc qu'il y a, la télévision le 7 août 1963. Ah, moi j'y vais. Ça s'est passé c'est où? Pas beaucoup d'Ivoiriens qui avaient l'argent pour se payer un poste récepteur de télévision. Donc, on a l'État a disposé des postes publics un peu partout, un peu partout au rôle d'information de Trècheville, avenue 8, tout près de là où je viens au monde. Il y avait un rôle d'information. Donc, je vais ici au premier rang de la multitude qui venait regarder la naissance de la télévision. Ah ben oui, c'est un gros événement. Un très gros événement. Alors on est là, on attend, on regarde l'écran qui est allumé.
Il y a une espèce de dessin avec des barres verticales. Mm-hmm. C'est en noir et blanc. Ça part du plus noir au plus blanc. C'est dégradé. Oui, oui. J'apprendrai plus tard. Mais non, on appelle ça la barre de mire. Donc on regarde ça et puis on est énervé parce qu'on est là depuis 17 heures. Jusqu'à 19 heures, cette image s'estompe et arrive une horloge. Waouh, des vivas, des hurrahs. On voit l'aiguille centrale qui tourne, on est content, mm-hmm. mais il n'y a rien de spécial. On se demande qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? On attend encore 15 minutes, trop longues. Et à 19h15, on entend l'Abidjanaise. Oh, ça devait être grandiose. Très grandiose. Tout le monde applaudit et tout. Et tout le monde chante, je suppose. Tout le monde chante. On voit le drapeau, mais on le voit en noir et blanc. Mm-hmm. Mais on voit le drapeau, les personnalités, etc. Et puis sort une image radieuse, celle de Fatou Sidibé, la première ivoirienne présentatrice, téléspeakerine, oui. on disait speakerine, oui, oui, qui apparaît à l'écran. Première ivoirienne à apparaître à l'écran, et permettez-moi de le dire, une jolie femme Djoula, avec le nez fin, les lèvres vraiment, et puis le grand boubou, et puis la grande coiffe. Elle était belle. Elle dit bonjour, tout ça. Moi, je n'entends pas parce que je la regarde. Et puis, le programme se déroule, n'est-ce pas? Et à 19h45, le journal télévisé commence. Présenté ce jour-là, ce 7 août 1963, par M. Mema Soumaoro, le premier à présenter le journal télévisé. Ce jour-là, tout était premier, d'accord? Oui. Après le journal, il y a des magazines, de la variété pour l'indépendance, etc. Mais pas encore le reportage du défilé du matin, oui, parce oui. qu'il fallait développer le film, faire le montage, oui, il fallait oui, du temps. C'est le lendemain oui, qu'on verra ça. Bref, je reviens le lendemain, 8 août. Je reviens le 9. Je reviens le 10. Je crois le 10 ou le 11. Le journal télévisé est présenté par un monsieur à une prestance extraordinaire. Une diction, une voix de stentor qui dit « Mesdames et messieurs, bonjour, le président de la République a inauguré ce matin l'immeuble devant habiter, abriter, etc. 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 » J'ai dit « Mais le monsieur là, il parle comme un blanc, il faut que je fasse ce qu'il fait. Il faut absolument que je fasse ce qu'il Donc fait. » Ça a été tout de suite le déclic. Ah oui, oui, oui. Et ce monsieur, c'est Joseph Diomandé. Le grand Joseph le Diomandé. Le grand Joseph Diomandé. Je vais vous faire une révélation. Entre parenthèses, Monsieur Joseph Diomandé, quand je suis revenu de France, était mon collègue, n'est-ce pas, au même niveau de travail. Mais je n'ai jamais réussi à tutoyer Monsieur Joseph Diomandé. Tellement tu je lui ai donné du monsieur vouer, et oui. du vous jusqu'à son dernier souffle. Et je recommencerai aujourd'hui. Merci, maître. Donc, je dis, bon, il faut que je fasse comme lui. Ouais, ça a été le déclic. C'est là que oui, tu as su que tu étais oui, fait pour, oui, ce, oui. pour les métiers Alors, de la télé. Je viens tous les jours regarder la télé. Je viens, je les regarde, je les regarde. Alors, dans la foulée, tu apprends qu'un concours de recrutement est lancé pour intégrer la télévision. Ah oui. Mais malheureusement, tu ne corresponds à aucun critère. Non, aucun, ma chère Corinne. Mm-hmm. Parce que il faut... Comme condition posée par la fonction publique ou les organisateurs du concours, il faut avoir le bac et 21 ans révolus. Et tu ne les avais pas du Je tout. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Ni la condition d'instruction, ni la condition d'âge. Et tu te dis, je vais quand même y aller. Ah oui, il faut que j'y aille. La voix me dit faut que j'y aille. Qu'il faut y aller. Il faut, et j'y vais. Je tente d'entraîner Neba, mais Neba résiste. Non, la famille, non. Je dis, bon, accompagne-moi. Mmh. Neba était comme mon tuteur. Et j'y vais pour m'inscrire. Il y a le rang, je m'y mets. Et puis arrive mon tour. Il y a un monsieur qui est là. Alors, non. Je dis, Benson. Prénom. Je dis, Taï. Je demande ton prénom. Je dis, c'est Taï, monsieur. Tu n'as pas un prénom?
il faisait sans doute allusion au nom chrétien, etc. Mais moi, je n'en ai pas. Mais le Georges, il est venu d'où alors? C'est après qu'on me baptise. Bon, d'accord. Bref, donc, on m'a baptisé plus tard. D'accord. Tu étais déjà grand. À ma naissance, on ne m'a pas baptisé. Mm-hmm. Donc, ça n'est pas sur mes papiers. D'accord. Je me prénomme Georges, mais ça n'est pas sur mes papiers officiels. Alors, il écrit et puis il me dit, ton âge? J'ai 21 ans. Ton âge, s'il te plaît? Oui, j'ai 21 ans, monsieur. Tu faisais tout pour prendre la grosse voix masculine. Toi, tu as 21 ans? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai 21 ans. Pardon, monsieur. Je veux faire le concours, je vous en prie. Tu as le bac? Non, monsieur. Il dépose son stylo et dit, mais alors, tu me perds mon temps. Tu n'as pas 21 ans. Tu n'as pas le bac. Et tu viens t'aligner. Il y a des gens derrière toi. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux faire le concours. Bon, d'accord. Je t'inscris, hein. Je t'inscris. Mais demain, tu viendras avec tes preuves. Demain, parce que c'est demain qu'il faut t'apporter les preuves. Ouais, sans aucune conviction, il inscrit alors, quand même. Alors moi, je repars. Il inscrit mon nom, je repars. Je me dis que c'est foutu. Je dis à Neba, écoute, c'est même pas la peine qu'on revienne et tout. Et curieusement, c'est Neba qui me dit, reviens demain. Qui t'encourage. Ouais. Et je reviens demain. Mm-hmm. Mais je ne trouve pas le même monsieur. Alors, l'autre me dit, bon, copie du bac. Bon, c'est un cas de naissance ou je sais pas quoi. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai ni le bac, ni 25 ans. Mais je veux faire ce métier. Aidez-moi. Il dit, ah bon? Et tu as réussi à t'inscrire hier? Je dis, oui, monsieur. Je commence encore à pleurer. Je commence à pleurer. Il dit, bon, moi, je t'inscris, hein, mais tu ne passeras pas le concours parce que ces deux conditions sont irrévocables. Ah oui, irrévocables. Bien sûr. Bon, je le quitte et puis je m'en vais, quoi. Dépité comme tout, je m'en vais. 10 jours, mm-hmm. 15 jours, je me dis que le concours est passé. Ouais, c'est fini. Mais malgré le fait que tu n'y répondes pas du tout aux critères de sélection, tu réussis quand même le premier test, alors que vous étiez 250. Alors, le premier test, c'est quoi? C'est que quelques jours après cet échec d'inscription, mm-hmm. à la radio et à la télé, on annonce un concours de présélection. Pour ceux qui n'ont pas le bac, je dis à Neba, ça c'est pour moi. Mais oui, là tu tombais pile poil. Je dis Neba, ça c'est pour moi. Amène-moi sur sa mobylette, sur sa motocyclette. Mais oui. Pour ne pas citer de marque. Ah bien, on s'en va. Je m'inscris pour le concours de présélection. Vous concours êtes 250 arrive. À y participer. Nous sommes 225 en fait. Et puis, nous écrivons dans la salle de mariage du district aujourd'hui. C'est là où on passe le concours. Et puis, les épreuves viennent de France. Mais il faut préciser que dans la salle, tu étais le plus jeune parce qu'il y avait des fonctionnaires, des étudiants, des professeurs. Oui, il y avait Toi, tu n'avais que 18 ans au lieu de 21. Oui. Il y avait des étudiants qui étaient à l'UNS, il y avait des fonctionnaires, il y avait des enseignants, des grands frères, etc. Bon, mais... Et en plus, tu n'avais pas le bac. Je n'ai pas le bac. Je n'ai fait que la cinquième, mesdames et messieurs. Moi, je ne me vante pas, je n'ai fait que la cinquième. Mais tu étais là, assis parmi toutes ces personnes. On nous donne les épreuves venues de France, décachetées devant nous. Les feuilles de papier, là, viennent de France. On met notre nom, notre numéro, etc. Alors, on nous pose des questions, des trucs techniques, machin. Bon, moi, je réponds. Avec toute l'assurance que je te connais. Je réponds. C'est de mon niveau, parce que culture générale, moi, je suis un autodidacte. Donc, puis, je passe le concours. 15 jours, parce qu'il n'y avait pas Internet pour envoyer les trucs rapidement et tout, il fallait attendre. 15 jours. Dans l'attente. Le ministère de la fonction publique communique. Sont admis au concours de présélection. Machin. J'arrête mon attiré poisson. Toute mon attention sur la radio. J'écoute. Taï Benson. Waouh! Je suis dedans! Sur 225, ils prennent 7. Et tu étais parmi les 7 personnes. Je suis parmi les 7. Donc tu étais vraiment prédestiné à ça. Je suis parmi les 7, Corinne. Fantastique. Je suis heureux, mais je ne le dis à personne. Neba est au courant, mm-hmm. et c'est tout. Heureusement pour moi, mes parents n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas la télé forcément. Oui, donc personne n'était au courant. Et ceux qui ont entendu le communiqué, bon, ben, je n'étais pas aussi célèbre que maintenant. Hein. On a donné une liste, etc. Mais j'étais dedans. Mm-hmm.
Alors après ça, tu décides de faire quoi? J'ai dit, avec cette bonne nouvelle. Ben, Neba et moi, on repart toujours à notre même coin. Pour manger. Pâté, attéké, etc. On mange bien, on boit tip-top. On est heureux. Neba, je ne comprends pas. Il est heureux pour moi, mais il refuse. Il ne veut pas tenter cette expérience. Il ne veut pas. Bon, moi, je suis présélectionné. Mais peut-être que lui, il avait déjà des acquis ici, donc il ne voulait pas aller aussi à la maison. Oui, pas tellement, mais c'est surtout raison de famille et tout ça. Mm-hmm. Bon, mais moi, je suis reçu. Je me prépare à passer le concours maintenant. Oui. Avec les bacheliers. Ils sont 5 candidats. Ajoutez à nous les 7 présélectionnés. Mm-hmm. Ça fait 12 candidats pour le concours lui-même. Wow. Concours, ils appellent ça d'admissibilité. L'autre, c'était de présélection. Et ça se passait où, ce concours? Ça se passait dans mon terrain, c'est-à-dire au collège d'orientation du plateau. Eh bien, quelques années avant, on t'avait foutu dehors. Oui, c'est là où ça se passe. Tu passes ton premier test, quasiment, ça se passe assez bien, malgré que tu ne répondes pas forcément à tous les critères. Oui. Tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas le bac. Je suis loin d'avoir le bac. Rappelle-toi, Corinne, 5e, je ne suis pas allé plus loin. Alors, malheureusement, la suite sera encore plus difficile. Eh oui, eh oui. Mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le prochain épisode de votre émission Leitmotiv. D'ici là, que Dieu vous garde. Yeah.